La crise du Covid-19 a démontré combien les crises sanitaires étaient aussi des crises écologiques et combien elles avaient des impacts majeurs pour l'économie et pour le social et pour la démocratie. Un des projets que nous portons pour l'Union européenne, c'est évidemment de la rendre plus résiliente, moins vulnérable, plus souveraine. Ça veut dire, une des mesures, transformer nos marchés publics. Nos marchés publics, c'est 14% de notre PIB, c'est considérable. Transformer les règles de nos marchés publics en Europe pour pouvoir acheter auprès des entreprises européennes sur des secteurs stratégiques, les médicaments, les matériels de soins, comme l'énergie, le numérique et l'industrie. Et puis, c'est privilégier nos PME à l'échelle locale, de faire en sorte que nos mairies, nos régions, nos départements puissent privilégier les PME du territoire dans les appels d'offres. Voilà un moyen puissant pour relocaliser, pour protéger l'environnement, créer de l'emploi à l'échelle locale et nous rendre plus résilients et plus souverains.